Bonsoir à tous, bienvenue à la conférence de clôture de cette journée Bâtir des villes durables que l'Institut Open Diplomatie co-organise avec l'INSA Lyon dans le cadre de ces secondes rencontres du développement durable. Je suis ravi de vous retrouver. Je vous rappelle que vous pouvez tous poser vos questions directement sur la page live du site des RDD. Pour ce panel qui va conclure cette journée, Bâtir des villes durables pour un futur plus désirable. Et pour en discuter avec moi en plateau, nous avons Marina Ponti, directrice de la campagne d'action des Nations Unies pour les objectifs de développement durable, qui est missionnée par le secrétaire général des Nations Unies pour faire avancer les objectifs de développement durable, qui est avec nous en ligne. Bonsoir Marina, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Il y a également à ma droite Fabrice Bonifay, qui est le président du Collège des directeurs du développement durable, le C3D, qui est l'un de nos partenaires civiques, qui est également le directeur du développement durable du groupe Bouygues Immobilier, et qui... Bouygues tout court, ça sera encore mieux, et qui a récemment publié l'entreprise contributive. On parlera de cette façon de concilier nos objectifs économiques avec les contraintes planétaires. Juste à ma gauche, Ondine Suave, qui est la présidente et directrice de MyLight Systems, une entreprise qui prépare des systèmes d'autoconsommation solaire et qui est membre de la Convention des entreprises pour le climat, convention qui s'inspire de la Convention citoyenne pour le climat avec l'objectif de mobiliser des entrepreneurs au service de la transition. Merci Ondine d'être avec nous. Juste à ma droite, ici même, Olivier Dain-Belmont, qui est architecte et qui est co-auteur, entre autres ouvrages, de l'ouvrage Permacité, une magnifique édition qui permet de se représenter ce qu'est une ville durable. Je recommande cette lecture parce qu'elle est extrêmement riche en couleurs et elle fait un peu envie, même pour les plus jeunes. On sera rejoint au cours du panel par Madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du logement, qui va se glisser parmi nous très prochainement. Et on va commencer par cette question, si j'ose dire, pour dresser le constat. Pourquoi les villes durables sont-elles la ligne de front de nos combats en matière de développement durable? Et c'est vers vous, Marina Ponti, que je souhaite me tourner en premier. Précisément, pourquoi considérer que les villes sont la clé dans la mise en œuvre des ODD, dont vous avez la charge, si j'ose dire, de la part du secrétaire général des Nations Unies? Est-ce que quand on parle des villes, c'est parce que la gouvernance mondiale, les Nations Unies ont échoué, ou est-ce que c'est parce qu'on se tourne vers une nouvelle ère, une ère de l'impact, une ère plus proche des territoires? Alors, merci avant tout pour l'invitation et pour la question. Les villes et les gouvernements locaux en général se situent à l'intersection des défis et des solutions, des politiques et des actions, des approches ciblées et des partenariats multisectoriels. Ils offrent toujours des solutions pratiques et réalistes aux problèmes mondiaux, souvent avec créativité et innovation. Aussi, les villes sont les institutions plus proches aux citoyens et ont la majorité des opportunités d'engagement avec les individus pour répondre à leurs besoins et à leurs aspirations. En effet, la pandémie, je crois en général dans tout le monde, a montré que les défis d'aujourd'hui sont tous liés et qu'ils se heurtent avec la plus grande intensité au niveau local. De même, le plus souvent des solutions émergent au niveau local, elles génèrent un effet d'entraînement positif dans de nombreux domaines différents, et bien au-delà du contexte local. Connecter une école à des espaces verts, par exemple, peut augmenter l'accès à la nourriture pour les enfants vulnérables, ce qui améliore la santé et l'apprentissage, et même la stabilité sociale et les perspectives économiques plus tard. Malgré les nombreuses difficultés provoquées par la pandémie, les gouvernements locaux ont trouvé les moyens de maintenir les services essentiels et de répondre aux besoins urgents afin que les gens puissent toujours se rendre au travail, avoir accès à la nourriture et aux espaces publics. Les défis à venir sont tels. Mais en même temps, nous avons une opportunité historique de tirer parti des innovations locales et créer des politiques publiques qui nous amènent plus rapidement vers l'avenir que nous voulons et dont nous avons besoin. En commençant au niveau local, nous devons repenser nos relations avec nos communautés
et notre planète en procédant à des petits et grands changements de nous, de nos maisons à nos écoles, passant pour nos lieux de travail et dans la façon dont nous exerçons nos droits et obligations. Nous devons faire de ces moments-là un tourment pour tout et pour la planète. Merci Marina de vous exprimer avec nous dans un français qui nous fait honneur ici. Et je sais que vous vous exprimez dans cette langue qui n'est pas votre langue maternelle depuis le siège du PNUD et donc dans une des 6 langues officielles des Nations Unies, avec cette idée assez forte, défi global, solution locale. Ça me permet de me tourner vers vous, Fabrice Bonifay. Le développement durable, Madame Ponty l'a dit à l'instant, ça n'est pas que le défi climatique. On l'a vu aujourd'hui aussi avec la pandémie, c'est bien plus vaste que ça. Pourtant, les villes, si on reprend ce sujet climatique, représentent 75% des émissions de CO2 à l'échelle de la planète. Madame Ponty disait qu'elles sont la solution. Quand on en voit ce chiffre, on a plutôt l'impression qu'elles sont le problème. Comment est-ce que vous caractérisez, vous, cette problématique-là ? Est-ce que vous voyez plus d'opportunités que de risques dans les espaces urbains ? Enfin, le climat, c'est la mère des batailles, hein, quand même. Hein. Parce que certes, ce n'est pas le seul enjeu, mais si on ne résout pas le problème du climat, on ne résoudra aucun des autres enjeux. Donc, dans la hiérarchisation des moyens qu'il va falloir qu'on concentre dans les semaines et les mois qui viennent, pour sauver la trajectoire climatique qui est quand même juste dramatique, il va falloir quand même qu'on accélère grandement la façon dont on a aménagé les villes depuis ces dernières années. Alors, je vais donner quelques exemples. Aujourd'hui, il faut absolument que les villes diminuent leur consommation d'énergie. Et il y a un certain nombre de pistes qui n'ont pas encore été explorées. Le grand problème, c'est aujourd'hui, on est à un phénomène d'accélération. Il faut vraiment qu'on accélère grandement. L'amélioration par petits pas qui a été les politiques publiques depuis des années ne suffiront pas par rapport à ce que nous disent les scientifiques et le temps qui nous reste. Donc, dans les pistes que nous, on préconise, c'est l'intensité d'usage des infrastructures. Aujourd'hui, les infrastructures bâtimentaires, on est bien placé pour le savoir chez Bouygues, sont structurellement sous-utilisées. Donc, les bâtiments publics et les bâtiments privés sont souvent mono-utilisateurs et donc sont utilisés qu'une petite partie de fraction du temps. Et je pense qu'il y aurait moyen, notamment par la fiscalité, d'encourager les maîtrises d'ouvrage, les propriétaires qui souhaitent faire en sorte d'ouvrir leur bâtiment à plusieurs typologies d'utilisateurs, d'être favorisés par rapport à ceux qui voudront rester simplement le seul utilisateur d'une infrastructure. Par exemple, ça veut dire ouvrir une école le soir pour qu'elle ait d'autres utilités. Ou un parking, ou une salle polyvalente, ou un rooftop, ou des restaurants d'entreprise. Donc le fait d'avoir des infrastructures qui ont une plus grande intensité d'usage, ça voudra dire moins d'infrastructures. Mais ça veut dire des infrastructures plus durables, parce que plus rentables. Et surtout, ça va pouvoir nous permettre de remettre de la nature en ville. Donc de remettre des espaces qui vont permettre à la ville de respirer et de remettre du vivant dans la ville pour lutter notamment contre le fléau des îlots de chaleur. Bien sûr. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, oui, qui est quand même très parlant, tout le monde veut de l'électromobilité maintenant dans les villes, parce que c'est moins de particules, c'est moins de bruit aussi. Le bruit est le premier fléau des villes. Mais les voitures électriques de demain, en 2035, il n'y aura plus de véhicules thermiques fabriqués dans le monde, ces voitures ne vont pas se recharger dehors, allons se recharger dans les bâtiments. Donc il faut se dépêcher là aussi de faire en sorte que les parkings privés et publics soient équipés avec des véhicules, avec des systèmes de bornes de recharge, mais surtout avec des systèmes de hubs de mobilité. Le but, c'est pas que tout le monde vienne avec son propre véhicule, mais qu'on mette en place des systèmes de véhicules partagés pour que l'électromobilité devienne partagée à l'échelle de la ville dans des parkings qui seront dédiés à cela. Et ça, c'est un développement qui est urgent de commencer maintenant, compte tenu du nombre d'infrastructures à mettre en place. La France a tous les champions pour ça, avec Schneider Electric, avec Bouygues, avec Bouygues Énergie Service. On sait faire ça, on a les véhicules. Maintenant, il faut qu'on arrive à démontrer nous-mêmes qu'on peut accélérer ce déploiement. Et là aussi, c'est dommage que la ministre ne soit pas arrivée, mais il y aurait des outils financiers qui pourraient être utilisés pour accélérer ces conversions, en fait, des infrastructures. C'est deux petits exemples qui montre que on peut faire tous les grands discours qu'on veut, mais au bout d'un moment, les élus et les citoyens ont besoin d'actions concrètes. L'intensité d'usage et l'électromobilité intégrée bâtie
Ce sont deux exemples, je pourrais vous en donner d'autres. Absolument. Mais c'est très bien, merci de prendre des solutions concrètes qui nous sont absolument indispensables pour comprendre l'enjeu. La ministre arrive d'ici un petit quart d'heure, donc je suis sûr qu'elle aura l'occasion de vous donner le change sur cette question clé. Vous avez parlé à l'instant des îlots de chaleur. Moi, ce qui m'intéressait avec ce thème des îlots de chaleur, c'est de voir à quel point, de mesurer à quel point les villes sont des gouffres d'énergie. Et vous l'avez dit vous-même à l'instant, qu'il faut réinventer cette facilité à produire de l'énergie en ville, peut-être de façon différente. C'est tout le travail d'Ondine de My Light System. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que, en modifiant, si j'ose dire, notre façon de produire de l'énergie, en l'adaptant aux espaces urbains tels qu'ils sont établis aujourd'hui, on peut arriver peut-être plus vite à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et puis à atteindre une vraie neutralité carbone d'ici 2050, ce qui est l'objectif que l'Union européenne s'est fixé? Alors déjà, il y a un point qui est très clair, c'est pourquoi les villes sont l'une des sources majeures d'émissions de gaz à effet de serre. C'est parce que c'est une des sources majeures de consommation d'énergie. Or, aujourd'hui, il y a une corrélation directe entre notre consommation d'énergie et la libération de gaz à effet de serre. Donc le sujet de décarboner l'énergie est au cœur de l'enjeu climatique. Comment décarboner l'énergie ? Aujourd'hui, on commence à avoir plusieurs solutions. Alors, bien sûr, on est en France, on a un champion du nucléaire. C'est une des solutions, mais c'est certainement pas la solution qui se déploiera en ville. Et je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Et c'est aussi, aujourd'hui, vous parliez de l'électromobilité qui se déploie à une vitesse qui défie mais toute prévision. En fait, on a une accélération du déploiement de l'électromobilité. Donc, il faut bien sûr faire des économies d'énergie, mais il faut aussi produire et produire plus, produire vite et produire si possible décarboné. La technologie et les technologies renouvelables qui aujourd'hui sont beaucoup trop timides, parce qu'on parle de 120 000 autoconsommateurs en France par exemple, contre plusieurs millions en Allemagne, ce sont des technologies très faciles à déployer et rapidement déployables. On prend un panneau solaire. C'est quelque chose qui se met sur à peu près tous les... En quoi ça consiste très concrètement? Très concrètement, un panneau solaire qui fait 1,5 mètre carré le panneau. Alors la petite éolienne, c'est un défi un peu plus important, plus compliqué que le solaire. Mais un panneau va pouvoir vous produire localement une énergie verte, bas carbone et durable. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est installé, il n'a plus besoin d'aucune source à part celle du soleil. Donc on est une fois qu'il est là, c'est quelque chose d'extrêmement inerte. Aujourd'hui, on est sur des garanties 30 ans, donc des durées de vie bien plus longues. Et c'est une technologie éprouvée qu'on teste depuis les années 50 sur les satellites. Donc on n'est pas en train d'attendre la nouvelle révolution technologique pour mettre ces moyens en place. On a les possibilités, c'est un sujet de déploiement. On a les possibilités et en plus, ça devient de moins en moins cher. On va revenir sur cette question évidemment du mix énergétique qui est en toile de fond de votre remarque lors de notre journée de débat co-organisée avec Centrale Supélec le 12 octobre qui est dédiée à ce sujet. Mais poursuivons sur le sujet des villes durables. Olivier Dain-Belmont, je rappelle, vous êtes architecte, co-auteur de Permacité. Je me tourne vers vous parce que ce concept de Permacité, au fond, on le sent quand on parle de cette question de transition. Des exemples très concrets ont été donnés par Fabrice, des innovations scalables, si je prends un mot bien français, ont été présentées par Ondine. Mais fondamentalement, ce qui nous manque, c'est une vision globale de ce qu'est une ville durable, une sorte de narratif, une utopie presque de la ville durable, alors sans se faire rêver, mais qui nous permet de nous projeter dans un système, parce qu'une ville, c'est complexe, c'est plein d'interactions, c'est en réinvention permanente. Et je crois que le concept de permacité que vous avez versé au débat public permet de se projeter dans cette logique-là. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi il consiste ? Oui, tout à fait. Donc oui, l'objectif, c'est de se projeter, mais c'est une construction théorique. Donc la permacité, comme son nom l'indique, c'est permaculture plus cité. La permaculture est une, disons, philosophie qui a été principalement appliquée dans l'agriculture et développé par David Holmgren et Bill Mollison, qui sont des scientifiques australiens, dans les années 70. Donc l'idée, c'est de considérer que l'écosystème humain, d'une part, et les écosystèmes naturels sont des écosystèmes qui peuvent cohabiter et surtout s'enrichir mutuellement. On n'est pas l'un contre l'autre, au contraire. Et l'autre point, c'est que permaculture, il y a permanent. Créer des systèmes qui soient permanents, donc auto-stables, donc sobres, frugales. On prend le minimum dont on a besoin et on restitue une place à ce qui n'est pas humain.
Concrètement, ma proposition est plutôt, et là je rejoins totalement l'idée des techniques éprouvées, c'est pour agir tout de suite et agir fort, et on doit agir tout de suite, il ne faut pas attendre de miracles technologiques ou de l'établissement de nouvelles filières. Il faut utiliser ce qui marche déjà. Ce qui marche déjà dans tous les domaines, que ça soit, je suis architecte, donc je suis plutôt parti des bâtiments, mais aussi de l'urbanisme, mais aussi tout ce qui est technique. Et quand on choisit une technique, privilégier plutôt des techniques suivant un axe. Est-ce qu'on a besoin de cette technique? Est-ce que ce besoin est justifié, premièrement? Deuxièmement, est-ce que la solution qu'on donne est durable et maintenable dans le temps? Est-ce qu'elle peut être utilisée, compréhensible par les usagers? Quelles sont les ressources qu'elle mobilise en énergie et en matériaux? Et ça, c'est ce qu'on appelle la basse technologie. La basse technologie, c'est pas le retour à la bougie, c'est plutôt à juste mettre la bonne technologie générale où il faut, et ce qui permet aux personnes de saisir cette technologie, de comprendre ce qui se passe. Le capital technique et scientifique revient à l'humain et moins à la machine. Bien sûr. Alors là, en disant ça, vous me permettez d'aller de l'avant vers la deuxième partie que je souhaitais traiter, et je sais qu'Emmanuel Vargon va nous rejoindre, mais c'est précisément de passer de la théorie à la pratique, parce que vous l'avez tous dit, au fond, on a des outils, on a des solutions, on a des innovations, on a une vision. What's next? Comment est-ce qu'on avance? Du coup, Marina Ponti, je voudrais me tourner vers vous à nouveau. On parle ici de l'objectif de développement durable, puisque je rappelle qu'on fait référence avec ces rencontres du développement durable au cadre onusien des ODD, dont vous avez la responsabilité. L'ODD 11, il porte sur les villes, mais fondamentalement, il est intrinsèquement à tous les autres, notamment celui de mobiliser tous les écosystèmes d'acteurs. C'est l'objectif de développement durable numéro 17 sur les partenariats. Comment est-ce qu'on arrive autour de ces solutions, de ces innovations qu'on a évoquées, à mobiliser fondamentalement autour de l'action? Vous travaillez vous-même sur l'inspiration, puisque c'est le mandat que le secrétaire général des Nations Unies vous a confié pour que cette campagne embarque un maximum de citoyens vers la réalisation de l'agenda 2030. Comment est-ce que vous vous y prenez du côté du PNUD sur ce sujet? Alors, fais-moi commencer en répondant à la question sur l'inspiration. Tout au long de l'histoire, l'art, sous ses formes différentes, a été un moteur de changement social. L'art parle à nos cœurs et à nos émotions. Il brise nos hypothèses, nous amène dans de nouveaux espaces et nous laisse ouvert au changement. Les artistes eux-mêmes sont extrêmement sensibles aux histoires du monde qui les entoure. Les artistes racontent ces histoires à travers de l'art, et ces faisant, ils transforment ces histoires comme art. Et alors, on utilise beaucoup l'art parce qu'on croit très fort à les potentiels de mobiliser les gens. Je vous donne quelques exemples concrets. Liberated, c'était un mouvement né en 2010 pour exiger que les institutions culturelles cessent de recevoir des financements des grandes sociétés pétrolières. À travers plusieurs performances artistiques sur une période de 6 ans, ils ont réussi à réaliser les changements souhaités. En 2016, la Tate Modern a annoncé qu'elle mettra fin à sa relation avec British Petroleum. Au Cap, en Afrique du Sud, l'utilisation du design par la communauté pour lutter contre le pessimisme, la marginalisation et la pauvreté s'est épanouie dans plus de 460 projets axés sur l'art ou le design. La ville a effectué une cartographie culturelle des quartiers pour comprendre les infrastructures physiques et ainsi que leurs habitants, leur histoire, leurs traditions culturelles et leurs aspirations. Enfin, c'est une autre initiative
qui est née au niveau local des villes, c'est la journée annuelle de stationnement qui est devenue un événement mondial où les habitants de villes réutilisent les espaces de stationnement pour l'art, le jeu, l'activisme, soulignant la valeur de l'espace public. L'idée a commencé en 2005 dans un studio de design dans la ville de San Francisco et depuis lors, de nombreuses villes ont rejoint, y compris Barcelone et plusieurs d'autres, où en 2018, 40 groupes locaux ont transformé 812 mètres carrés de parking en cinéma, salle de réunion, salle de concert et art de jeu. Comment ici décrit les villes ont été au cœur de l'innovation et du changement depuis toujours. La pandémie a brouillé notre monde, mais également nous a obligés à voir les choses différemment. Plus de gens que jamais veulent réécrire l'histoire, changer les règles. Nous savons que le système actuel ne fonctionne pas bien pour la majorité des gens, quelle qu'en soit la mesure, de la pauvreté aux inégalités, au chômage, à la violence des gens, à la malnutrition et bien sûr au manque d'accès à la santé et aux vaccins COVID. Nous sommes prêts de surmonter la pire crise sociale et économique depuis un siècle et à nous diriger vers un nouveau monde plus juste et plus durable. Alors que de nombreux dirigeants, y compris des gouvernements locaux, retournent à la case départ, nous les appelons à faire preuve d'audace et d'apporter des changements transformateurs dans les façons dont nos sociétés sont structurées. Nos villes et les relations entre les zones urbaines et rurales sont conçues et planifiées dans la façon dont la richesse et les pouvoirs sont partagés ou peut-être pas partagé. Un autre élément, c'est que la pandémie nous a également montré que la solidarité est notre plus grand espoir. Nous voyons et comprenons cela dans notre propre famille et communauté, et nous l'avons observé à travers des actes de gentillesse et de compassion, de détermination et d'inspiration, de coopération et de communauté à une échelle que nous n'aurions jamais cru possible. Maintenant, nous devons nous l'approprier à l'échelle mondiale, à commencer par des vaccins pour tout. Sans cela, COVID continuera à nous tormenter. Et le point final est que nous avons une opportunité. Nous avons un modèle pour l'humanité et les planètes, et sont les objectifs de développement durable. Pendant cette réunion, aujourd'hui, des dizaines de millions de personnes agissent dans le monde entier dans le cadre de la Semaine mondiale d'action. Entre les 17 et les 28 de septembre, demain. Et la mobilisation de cette année permettra également de conduire l'action autour de la pré-COP qui commence demain à Milan et de maintenir la dynamique en vue des négociations sur le climat lors de la COP 26 à Glasgow. Alors, il y a une action très forte et j'aimerais terminer et saisir cette occasion pour vous inviter, ainsi que tous ceux qui regardent et rejoignent cet appel à l'action, et montrer à tout à quoi ressemblent les changements. Merci Marina Ponti. Vous avez raison de pointer que l'action est éminemment urgente et qu'il y a cette campagne menée par le PNUD que vous dirigez pour que chacun s'empare des objectifs du développement durable. Si on passe à l'action, c'est d'abord l'action, si j'ose dire, des gouvernements qui ont le plus
de levier en main. Je salue l'arrivée de Madame la Ministre, Emmanuelle Wargon, qui est chargée du logement. Madame Wargon, on avait eu le plaisir de vous recevoir long time ago, quand vous étiez à la Direction Générale de la Cohésion Sociale à l'Institut Open Diplomatie, ça fait un petit moment. Il y a eu beaucoup de chemin depuis, mais finalement, on n'est pas si loin de ces sujets de cohésion sociale, parce que précisément, la ville durable, c'est aussi cet endroit où on peut, de façon solidaire, exprimer notre façon de faire la transition. Je sais que vous portez le programme Habiter la France demain, pour repenser notre façon d'aménager les villes, pour les rendre évidemment plus agréables, plus résilientes surtout, parce qu'on commence déjà à devoir s'adapter aux défis climatiques. Où est-ce que vous en êtes de ce programme? Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que d'ici 2022, on peut en tirer quelque chose? Merci pour l'invitation d'abord et ravie d'être là. Et de toute façon, la cohésion sociale, la transition écologique, tout ça sont des sujets qui sont extrêmement liés. Donc effectivement, on est toujours dans le même univers. Et j'ai grand plaisir à être dans l'univers des ODD aussi, parce que je crois que les objectifs de développement durable sont une boussole pour nous tous et peuvent vraiment nous aider à avancer. Donc la réflexion dont vous parlez, c'est une réflexion que j'ai lancée il y a environ 6 mois, qui s'appelle « Habiter la France de demain ». Et qui a comme objectif d'essayer de repenser notre vision, nos objectifs sur comment on vit et on habite partout en France à différentes échelles de territoire. En gros, je suis partie du constat que c'était de plus en plus difficile de développer du logement en France, et notamment dans les zones tendues, dans les villes, et que c'était difficile aussi parce que d'une certaine manière, le message politique s'était un peu brouillé. On a tous envie de mieux protéger la planète, ce qui veut dire lutter contre l'artificialisation des sols. On a tous envie de nature en ville. Et on peut avoir une impression qui est une fausse impression, qui est qu'il y a une contradiction entre construire des logements et être sur le chemin de la transition écologique. Ça n'est pas vrai, parce qu'on sait construire des logements qui sont écologiques à la fois dans leur mode de construction et dans leur insertion dans la ville. Et par ailleurs, loger les habitants, c'est aussi indispensable. Et les villes sont un lieu où on peut avoir de la densité désirable. Et la densité, ce n'est pas un gros mot. Mais finalement, j'avais l'impression que les repères étaient un peu brouillés et qu'on pouvait défendre la lutte contre l'artificialisation, la lutte contre les villes, et du coup, d'une certaine manière, défendre un peu tout et le contraire de tout de bonne foi. Donc ce programme, il a comme objectif de partager avec des experts, des urbanistes, des architectes, avec des élus, avec des acteurs économiques et avec les Français, puisqu'il y a des ateliers citoyens et une consultation, partager une vision pour ensuite en sortir quelques défis auxquels on pourra se confronter et sur lesquels on pourra faire évoluer nos outils de politique publique. Et notamment montrer qu'il n'y a pas forcément de contradiction entre ces deux grands objectifs écologiques et sociaux, que ça se traite aussi par des normes de construction. Autour de la construction durable, la France a adopté une réglementation ambitieuse, que ça se traite par la manière de vivre ensemble et la manière dont on conçoit l'habitat de demain, dont on conçoit comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on se déplace. Et donc c'est recréer une vision positive là où on a l'impression d'être dans une impasse. Merci Madame Wargon. Je vous disais à l'instant que ce travail consultatif qui associe à la fois les experts et les citoyens permet de s'intéresser à la façon de faire concrètement, de bâtir ces villes durables. C'est le thème de la journée. J'ai un architecte juste à ma droite qui bosse un petit peu sur le sujet quand même. Olivier Dain-Belmont, je rappelle, auteur de Permacité, co-auteur de Permacité, parce que vous étiez... J'ai un dessinateur qui est Farid Moulana. On va le mentionner, il mérite d'être présent dans la discussion. Vous avez entendu la ministre à l'instant dire que ce travail Habiter la France demain, il sert aussi à lister les défis auxquels les Français veulent se confronter pour faire une ville durable. Vous qui avez travaillé sur cette notion de permacité et sur le narratif qui peut nous permettre à nous projeter vers une ville qui soit plus résiliente, plus durable, plus sobre d'une certaine manière, si vous deviez dire... Le premier défi auquel vous attaqueriez, ce serait quoi, en répondant à la consultation que Mme Wargon conduit en ce moment? Ce serait... d'abord, merci d'inviter un architecte, parce que ce n'est pas courant qu'on... Voilà. On en a eu deux aujourd'hui. On n'en est pas... Parfait. le premier défi, je pense, est substituer un imaginaire partagé et massif, qui a un imaginaire consumériste et qui est nocif pour la planète, on le sait tout, par un imaginaire vertueux. Et permettre aux personnes de tous les âges, c'est pour ça que j'ai commencé par un essai d'architecture qui concerne que les architectes, et qu'ensuite j'ai fait un album pour les jeunes, pour aussi toucher les parents,
Créer un imaginaire positif, un imaginaire qui fasse envie. Et dire que la densité, ben, d'une certaine façon, ça peut être une chance. Cette densité désirable que mentionnait à l'instant Madame Wargon. Parce que je substitue, par exemple, à l'étalement urbain qui oblige à rester longtemps dans une voiture toute la journée, qui coupe les gens de leurs différents lieux de vie, qui rajoute du stress, une idée qui permettrait de relocaliser, de travailler plus près de chez soi, d'aller à l'école à pied. Une ville plus dense, c'est une ville où on a moins ou peu moins besoin de la voiture. C'est une ville où on peut prendre les transports en commun, où les enfants peuvent jouer dans la rue. Une ville, je parlais des basses technologies tout à l'heure. Oui. La basse technologie appliquée au bâtiment, ça s'appelle les techniques bioclimatiques. Technique bioclimatique, c'est un bâtiment qui n'a besoin d'aucune ressource externe, excepté le soleil, pour fonctionner. Et ça aussi, c'est quelque chose dans l'imaginaire qui est compréhensible et positif. Ça veut dire reconnecter les gens. Les gens sont déracinés, c'est redonner des racines juste par le soleil, par son environnement proche. Sur ce sujet des techniques bioclimatiques, c'est vraiment le cœur de métier de d'Ondine Suavez à ma gauche, donc on va c'est sûr y revenir, mais je voudrais faire un petit détour à ma droite, sans aucune cartographie politique du tout, par Fabrice Bonifay, qui, je le rappelle, préside le C3D. Vous l'avez dit tout à l'heure, la mère des batailles, c'est le climat, et d'ores et déjà, on est engagé dans cette bataille climatique où il faut à la fois atténuer nos émissions de gaz à effet de serre, les réduire. Même si la France ne fait qu'un pour cent d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, elle est quand même par tête responsable d'un contingent assez important des émissions. Et il faut en même temps s'adapter, c'est-à-dire préparer des villes qui sont capables d'encaisser le choc. Et on l'a vu, ce que ça donne une ville d'une grande densité qui encaisse un choc comme la Covid, hein, qui est fondamentalement le risque zoonotique par excellence. C'est une ville dans laquelle les problèmes se diffusent extrêmement vite et que ça devient extrêmement invivable. C'est pas pour rien que nous, Parisiens, on a tous fui Paris pendant les confinements successifs. Alors, vous avez écrit ce livre pour répondre à cette problématique. Comment est-ce qu'on peut arriver à concilier nos objectifs de croissance? Madame Wargon rappelait tout à l'heure l'intention de cohésion sociale, et on sait que la croissance est essentielle pour réduire la précarité, la pauvreté, avec les limites planétaires. C'est l'objet de votre livre. À l'échelle d'une ville, ça donne quoi, ce travail de conciliation? Et donc, il faut bien avoir en tête les ordres de grandeur. Le problème, ce n'est pas le neuf. Et c'est vrai que le gouvernement a mis des seuils pour le neuf qui sont excellents, parmi les meilleurs du monde. Mais 75% des bâtiments qui existent aujourd'hui existeront encore en 2050. Oui. Donc, si on veut vraiment regarder les choses en face, ce n'est pas le renouvellement des infrastructures qui nous permettra d'atteindre les objectifs climatiques. Ce n'est pas ça du tout. On est complètement à l'ouest, hein, si on pense ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord rénover le parc existant et de logements. Il y a quand même 35 millions de logements, les millions de mètres carrés tertiaires. Le vrai enjeu climatique, c'est celui-là. Et dire que la France, c'est que 1% des émissions de gaz à effet de serre, ça ne veut rien dire non plus. 70% de l'énergie primaire consommée en France est carbonée. Donc on a effectivement une électricité qui est peu carbonée, mais on consomme énormément d'énergie fossile pour les transports, pour le chauffage, voilà, pour le... C'est important, cette notion d'énergie primaire, c'est-à-dire... Bah, oui. Bah, elle n'est pas claire pour notre grand public. J'aimerais bien que vous la développiez tout petit peu pour que ça soit parfaitement... En fait, la France achète plusieurs dizaines de milliards d'euros d'énergie fossile tous les ans, pas loin de 60 milliards, parce que en fait, nos voitures ne sont pas encore toutes électromobiles, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, même si ça va mieux. Nos bâtiments, il y en a beaucoup qui sont encore chauffés au gaz parce qu'il y a une réglementation complètement ridicule il y a quelques années, qui a privilégié le gaz en France, pour des raisons que j'ignore. Mais enfin, aujourd'hui, il faut revenir en arrière. On aurait dû faire les bâtiments passifs il y a 25 ans, comme les Allemands l'ont fait, d'ailleurs. Alors, il y a aussi le problème de dire, oui, mais où il faut investir pour être le plus efficace? J'entends les panneaux solaires. Et c'est vrai que nous, on était les premiers chez Bouygues à faire des bâtiments énergie positive avec des panneaux solaires. Mais il faut regarder aussi les tonnes de carbone évitées. C'est-à-dire combien il faut dépenser d'argent pour avoir... on est bien d'accord que la mère des batailles, c'est le climat. Donc, est-ce qu'il faut mettre des panneaux solaires ou est-ce qu'il faut que les bâtiments consomment moins, sachant que le kilowattheure le moins cher, c'est celui qu'on ne consomme pas. Donc, il faut qu'on aille vers de plus en plus de passivité. Des transports évités, c'est la ville du quart d'heure. C'est-à-dire arriver à des aménagements urbains où il n'y a pas des pôles. D'un côté, on travaille, de l'autre côté, on se loge, etc. C'est de déconsommer. Et vous parliez de croissance économique tout à l'heure. J'entends. La croissance économique, pour ceux qui n'ont rien, bien sûr, qu'il faut que les pays qui n'ont pas le niveau de développement d'infrastructures que nous avons, en termes d'écoles, en termes d'hôpitaux, en termes de lignes de chemin de fer, eux, c'est clair qu'ils ont le droit d'accéder à ces infrastructures. Nous, par contre, les pays nés lentis,
Est-ce qu'on doit continuer d'avoir cette logique-là? Non, on doit surtout avoir une logique d'entretenir nos infrastructures. Et aujourd'hui, nos infrastructures, elles ne sont pas toujours entretenues correctement pour les faire durer plus longtemps. Donc c'est pour ça que le 2D8, il est aujourd'hui mal défini, mal écrit. Il faut le réécrire dans cette configuration-là. Tout le monde connaît les ODD grâce aux rencontres du développement durable, mais personne ne connaît la liste exacte des ODD. Ouais. Et le 8, c'est... Ben, c'est la croissance économique, voilà. Mais pour tous, vraiment pour tous. Et moi, je veux bien, mais là aussi, encore une fois, ça ne résiste pas aux ordres de grandeur. Et un dernier sujet, la sobriété, ce n'est pas un gros mot. La sobriété, ce n'est pas un gros mot. On parlait de densité. Moi, je le répète, c'est plus un problème d'intensité d'usage qu'un problème de densité. Parce que de toute façon, il y aura toujours compétition entre le bâti et les autres. Si on dit qu'il faut remettre de la nature en ville, la nature, elle ne rapporte pas d'euros. La nature, ça permettra de lutter contre les eaux de chaleur, améliorer la qualité de l'air, remettre du bien-être pour les gens. Et ça, un parc dans une ville, ça rapporte 0 euros. Et pourtant, ça rapporte 0 euros directement, mais ça rapporte des euros indirectement par la maintenabilité de la santé, etc. Donc aujourd'hui, on a une vision qui est beaucoup trop en silo de l'approche de la valeur. Et remettre de la nature en ville, c'est dire moins de bâtiments dans la ville pour remettre de la vie et du vivant dans la ville. Et ça, c'est inestimable en termes d'abord de qualité de vie et in fine de santé publique. Donc aujourd'hui, comme on a complètement sectorisé l'ensemble des infrastructures, on ne raisonne pas avec une vision holistique. Donc pour résumer, je dis aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas le neuf. Le neuf, c'est bon, c'est réglé, on va y arriver à condition de lutter contre l'effet rebond. On a bien vu que les Allemands ont dépensé 340 milliards d'euros en rénovation énergétique pour un gain en carbone qui est nul, car ils avaient une température de consigne qui était 19 degrés dans les années 90 et qu'aujourd'hui qui est 22 degrés. Donc résultat des courses. Donc il faudrait qu'on accompagne les économies d'énergie par un système de bonus-malus pour inciter les gens à maintenir dans le temps les économies qu'on va leur proposer de faire. Donc c'est ce qu'on n'entend pas aujourd'hui ça dans les politiques publiques. Donc il y a vraiment une prise de conscience sur les ordres de grandeur. Alors, heureusement, il y a le C3D, le Chiffre Project qui disent les vrais chiffres, qui disent que les choses, qui disent aux décideurs publics et politiques ce qu'ils doivent entendre réellement pour prendre les bonnes décisions. Mais aujourd'hui, la France n'est pas du tout sur une bonne trajectoire climatique et ne montre pas l'exemple tel qu'on devrait le faire, alors qu'on pourrait être les champions du monde de l'électromobilité intégrée bâtie, on pourrait être les champions du monde de la sobriété de nos bâtiments et la rénovation, et pour exporter ensuite ce savoir-faire partout dans le monde, parce que tous les pays du monde auront besoin de passer par là, il n'y a pas d'autre choix. Je pense que Madame Vargon... Si on a quand même une trajectoire ambitieuse, je vous remercie beaucoup d'avoir salué l'effort sur le 9 et sur la RE 2020, et donc j'y reviens pas parce que c'est notre nouvelle réglementation. Sur la rénovation, je pense qu'on est le gouvernement qui s'est le plus attaché depuis très longtemps à lancer une vraie rénovation du bâti existant. Parce qu'évidemment, je partage l'idée que le bâti existant, c'est là où on vit, et qu'en 2050, à peu près 75% du parc est déjà construit aujourd'hui. Donc le bâti existant, c'est essentiel. Mais on n'a jamais fait autant pour la rénovation du bâti existant. On a créé MaPrimeRénov qui marche très bien pour la rénovation chez les particuliers. On a aussi lancé un grand plan de rénovation des bâtiments publics, financé par le plan de relance, État et collectivités locales, plus une réglementation assez ambitieuse sur la rénovation du bâtiment tertiaire en général, public et privé, avec une trajectoire qui force les économies d'énergie dans le tertiaire. Donc tout n'est pas parfait, on a encore trop de rénovation partielle, il faut aller vers plus de rénovation globale, on connaît tous ces sujets ensemble, mais franchement, on s'y est vraiment attelé. Et d'ailleurs, moi, il y a un chiffre que j'aime bien, c'est avec à peu près la même dépense publique sur les dépenses de le soutien à la rénovation du parc existant, on a gagné 50% de terawattheures évitées entre 2016 et 2019. Pour la même subvention, on économise une fois et demie plus d'énergie que ce qu'on faisait dans la période précédente, parce que les subventions étaient en fait très très mal ciblées. Donc non, on n'a pas besoin qu'on nous rappelle que la rénovation est importante. Après, on peut toujours faire mieux, mais même dans la loi climat résilience, on interdit à la location les passoires thermiques. Enfin voilà, on est vraiment en train d'avancer quasiment à marche forcée pour le secteur. C'est une question de rapidité aussi, ce qu'on entendait dans le propos de Fabrice Bonifay. Je ne dis pas qu'il ne se passe rien. Je dis qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on rénove 700 000 logements par an. Je rappelle 35 millions de logements. On est très, très, très loin de ce chiffre aujourd'hui. Si on veut vraiment tenir... 800 000, ma prime rénove cette année. Hein. Oui, mais pas en rénovation globale. Non. Et il y a aussi le problème de l'effet rebond qui n'a pas été géré. Et je pense qu'il faut aussi parler de ce problème de l'effet rebond pour ne pas tomber dans les mêmes...
difficultés que les Allemands ont rencontrées avant de nous faire contir cette expérience-là. Parce que sinon, en fait, ça ne changera rien. Mais je pense que vous avez parfaitement été clair sur l'enjeu d'accélérer l'un et l'autre, hein, en réalité. Et je voulais revenir sur, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, quand Olivier Dimbelmont parlait des technologies bioclimatiques, il y a aussi un sujet de solutions qui vont durer, de solutions qui sont maintenables, qui sont utilisables dans le temps, qui vont nous permettre de penser à horizon 2050. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a appelé ces rencontres du développement durable faisons 2030 dès 2022, c'est précisément parce qu'il faut se projeter dans le temps long. Ondine Chavez, je voulais me retourner vers vous précisément pour parler de ces solutions, notamment de ces technologies bioclimatiques que vous développez avec My Light System, sur les sujets des villes durables. Vous avez vous-même vos propres solutions, vous faites partie de cette convention des entreprises pour le climat. Comment est-ce qu'on peut embarquer un maximum d'entrepreneurs et d'innovateurs dans cet objectif 11 d'avoir des villes qui sont plus habitables, plus faciles à vivre, à l'aune des objectifs-là? Est-ce qu'on a toutes les solutions? On en a déjà listé un certain nombre. Ou dans quelle mesure est-ce qu'on peut encore générer des solutions pour passer à l'échelle plus vite, pour répondre mieux avec les objectifs d'impératif social aussi qu'on s'est fixé, parce que ce n'est pas qu'une question théorique. Il y a des gens qui vivent dans ces logements et il faut pouvoir les accompagner. Je pense qu'on a beaucoup des solutions aujourd'hui techniques. On n'a pas besoin de réinventer énormément de choses. Quand on déploie massivement la pompe à chaleur, on décarbone massivement le chauffage. La pompe à chaleur, ça se développe depuis les années 70-80, c'est des technologies éprouvées. Par contre, on augmente énormément la consommation électrique. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on fonctionne en silo, je vais reprendre votre terme, c'est-à-dire qu'on va mettre d'un côté les producteurs, d'un côté la rénovation énergétique pour moins consommer, et en fait, le défi, c'est cette approche holistique. On ne peut pas dire à tous les Français, installer une pompe à chaleur, baisser, rester à 16 degrés l'hiver dans les chambres, 19 degrés dans les salons et baisser la nuit, etc. Soyez économique. Mais acheter une voiture électrique pour décarboner. Et ensuite, vous inquiétez pas, on va gérer l'électricité. Elle vient d'où, cette électricité? Parce que là, ce qu'on fait, on transforme de l'énergie fossile en énergie électrique. Alors, on a aujourd'hui une solution, un mix énergétique peu carboné en France, hein, oui. C'est vrai, on a l'énergie nucléaire aujourd'hui, mais le défi de déploiement en quantité de sources de production bas carbone sur les 10 prochaines années, on ne parle pas des 20 prochaines années, on parle des 10 prochaines années, aujourd'hui, on n'a pas démarré, en fait. Et quand je vois la rapidité de déploiement, par exemple, des énergies renouvelables dans certains pays, je prends la Chine, hein, qui installe une tranche d'énergie nucléaire par an, et encore, ils vont démultiplier par 2, voire par 10 leur déploiement. Quand je vois ce qu'a annoncé Joe Biden aux États-Unis en taux de déploiement des énergies renouvelables, la France, on est encore trop timide. Et on a aussi cantonné les énergies renouvelables à ce qu'on savait faire historiquement, c'est-à-dire des grands champs solaires dans les campagnes qui sont extrêmement questionnables. Et moi, je suis triste quand je prends l'avion, quand je prenais l'avion, parce qu'avec le Covid, on est un peu resté à terre, il n'y a pas un panneau solaire sur les toits français. Vous allez en Allemagne, une maison sans panneau solaire est une exception. Vous voyagez en France, je cherche les panneaux solaires sur les toits, et quand j'en vois un, je dis « Ah, quelqu'un a franchi le pas et participe à ces... » Je ne dis pas que c'est la solution unique. Il n'y a pas une solution qui va... Il n'y a pas une solution qui va tout résoudre. Je pense que faire tous ces petits pas. Et aujourd'hui, nos villes, elles sont consommatrices d'énergie. Elles peuvent devenir productrices d'énergie. Je ne vous demande pas d'en mettre sur le toit de Notre-Dame, mais regardez dans Paris, faites l'exercice. Regardez tous les toits plats. Regardez tous les toits plats exploitables pour produire. Attention, sur cette, les ENR, c'est très bien. Mais en Chine et dans les pays que vous indiquez, les États-Unis, aujourd'hui, au niveau planétaire, les énergies renouvelables, en aucun cas, ne se substituent aux énergies fossiles. Ça s'empile sur les produits. Et aujourd'hui, l'énergie fossile continue de progresser plus vite en capacité de production que les énergies renouvelables. C'est un non-sens. Et je pense que là, s'il y avait une vraie prise de conscience au niveau des gouvernements, ça serait dire, quand on met des énergies renouvelables, ça vient arrêter des centrales fossiles. Aujourd'hui, ça ne s'arrête pas. Ça s'empile. Alors, on a fermé 3 sur 4 centrales à charbon électrique en France. Il y a aussi le carbone importé. On a fermé Fessenheim. On importe du carbone. Et la France, c'est pas que le monde. Je pense qu'il ne faut pas tout mettre en contradiction. Malheureusement, le défi est tellement grand. On va diviser par 5 notre empreinte carbone. Pour que le sujet reste bien clair, je veux bien qu'on dise que les gouvernements comprennent rien à rien. Mais quand même, quand vous dites on ne regarde pas les besoins électriques en France, ce n'est pas vrai. RTE fait des scénarios à 5 ans et à 10 ans pour modéliser le fait que si on électrifie le parc de voitures et si on continue avec les normes telles qu'on les a posées, notamment sur le chauffage,
quel va être le besoin en électricité. Donc, on ne travaille pas totalement en silo entre ceux qui promeuvent la pompe à chaleur d'un côté et la voiture électrique de l'autre, et ceux qui regardent les besoins en approvisionnement électrique du pays à court et moyen terme. Par ailleurs, on ne peut pas à la fois nous dire « ne nous désintéressons pas des émissions sur le sol français » et ce qu'on fait en France, c'est dérisoire. Sur le premier point, les émissions sur le sol français, on est l'un des premiers pays à sortir complètement du charbon dans l'électricité. Je le sais, j'ai géré la fermeture des centrales électriques à charbon. Il en restera une à côté de Nantes, dont on a encore besoin pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, quelque temps marginalement. Après, bien sûr, vous avez raison, il y a l'empreinte. C'est-à-dire le fait que, comme on produit moins en France qu'ailleurs, les produits sont bien produits quelque part, et donc ceux-là, ils sont produits avec des énergies qui elles-mêmes sont fossiles. Mais si vous challengez les gouvernements, et c'est normal, alors chaque gouvernement travaille sur son territoire, et après travaille dans les COP et auprès des Nations Unies et des grands accords internationaux pour voir si on est en capacité d'obtenir des changements. Mais on ne peut quand même pas dire qu'on est totalement en silo, ce n'est pas vrai. Madame Wagon, merci de l'avoir rappelé. Je prends quand même le point de Fabrice, pas pour relancer la discussion, Bonifay, sur ce point, mais pour bien distinguer ce qui relève de nous, ce qui relève de nos partenaires commerciaux ou diplomatiques. Et en effet, chacun doit être exemplaire. La France a quand même une diplomatie climatique qui est hyper active, pour ainsi dire, peut-être pas à la hauteur de ce qu'elle devrait faire à la maison, mais en tout cas hyperactive. Et je mentionne ça pas pour relancer le débat, mais pour dire on a créé ça en conduite développement durable avec aussi une quantité considérable d'acteurs internationaux pour en parler, parce que même si on était tous français hyper vertueux avec des panneaux solaires sur tous nos toits, ça changerait beaucoup de choses pour nous, très peu de choses à l'échelle de la planète. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais Madame Wagon, je voulais, puisque le sujet c'est aussi ce qu'on peut faire nous vis-à-vis des citoyens français qui nous regardent, qui nous écoutent, qui s'interrogent, ce qu'on peut faire pour aller de l'avant, je disais tout à l'heure, il faut faire 2030 dès 2022 et même un peu avant si possible, parce que cet agenda 2030, ces objectifs de développement durable, ça fait maintenant 6 ans qu'on les a adoptés, dans les mois qui restent pour gouverner. À l'aune de ce programme Habiter la France demain et des autres actions que vous avez engagées, quelles sont les dernières grandes étapes qu'on va franchir pour que nos villes soient plus durables ? Alors sur le bâti lui-même, on a encore de belles étapes à franchir sur la rénovation des bâtiments et des logements. On en parlait, aller plus loin vers des rénovations globales, avoir un meilleur accompagnement des ménages, mieux financer le reste à charge, pour que les rénovations soient de plus en plus intensives en travaux, en qualité de travaux et donc en CO2 évité. Sur l'effet rebond dont vous parliez, je pense que c'est un sujet compliqué parce que c'est assez difficile de dire aux gens vous étiez limité parce que vos factures vous coûtaient vraiment trop cher et donc vous étiez obligé de vous restreindre. Maintenant que vous avez un logement plus confortable, on vous, entre guillemets, interdit de bénéficier des avantages de ce confort. Donc ça, c'est un sujet qui, à mon avis, est compliqué à traiter. Sur le neuf, les normes du neuf, elles arrivent au 1er janvier 2022. Donc ça, le travail est fait. En revanche, là où je voudrais insister, c'est qu'on continue à avoir besoin de construire. C'est-à-dire du point de vue des ODD, moins on a de bâtiments, moins on a d'émissions, mieux on se porte. Du point de vue des Français, on a besoin de plus de logements abordables. Ce logement abordable, on peut le construire avec du neuf, on peut aussi y avoir accès par de la transformation. On a un bon gros sujet de transformation de bureaux en logements qui arrive devant nous, parce qu'on va avoir beaucoup de mètres carrés tertiaires moins utilisés. On a des logements vacants et des bâtiments vacants. Néanmoins, on aura toujours besoin de continuer à construire. Et moi, ma demande aux Français, c'est qu'ils acceptent qu'on continue à construire en zone dense. En fait, je trouve que parler de densité désirable ou d'intensité acceptable, c'est la même idée. C'est-à-dire, entre le centre de Paris, du Haussmannien, et les grands quartiers de la politique de la ville en banlieue, dans lesquels vous avez des tours espacées par des parkings, l'haussmannien est plus dense que les quartiers de la politique de la ville. Et pourtant, vous demandez aux gens leur perception, le côté oppressant, le côté enfermant, c'est pas le même. Donc il faut séparer la densité réelle de la densité perçue. Et quand on construit dans Paris le parc Martin Luther King, qui a un grand jardin nouveau refait sur une friche SNCF, et qu'on met beaucoup d'immeubles autour, on a à la fois de la nature, une perception de nature et de nature en ville, et en réalité une bonne densité. Donc là, il y a besoin d'aller au bout de ce débat de société pour se dire que la réponse ne viendra pas que de la construction, mais elle en viendra aussi,
et qu'il faut qu'on massifie encore beaucoup plus la rénovation, et puis qu'on se redise que la ville rend des services. Et que donc le fantasme de la ville à la campagne, de l'étalement urbain du lotissement, bah c'est peut-être un fantasme, et que les mêmes qui veulent de la nature et une maison avec un jardin dont on peut faire le tour de la maison, c'est aussi ceux qui veulent effectivement des transports collectifs, aller à pied à la boulangerie, etc., etc., et que ça, on a besoin d'un peu de densité pour ça. J'allais vous dire, on n'a pas de questions qui viennent du public, je pense qu'on les a assommées d'éléments. Mais moi, j'ai une question que je vais vous poser à tous, et je commencerai par Marina Ponti, qui est encore avec nous depuis Rome, qui est une ville magnifique. S'il y a une ville durable à l'échelle planétaire, petite ou grande, si possible pas Lighton au Canada, qui vous inspire et qui vous fait rêver, laquelle c'est ? Pour vous, Marina, quel est l'exemple d'une ville durable réussie que vous connaissez ? Bon, c'est... Je parlais de la Californie tout à l'heure, ça m'a teasé. Je me suis vu voyager un peu plus loin. Alors, il n'y a pas une ville qui a de quelque part utilisé tous les critères de la sustainabilité, mais il y a beaucoup de villes qui ont commencé à changer et qui veut changer maintenant. Alors, on pense que c'est, on est en train de vivre un moment très important et il faut accélérer les changements. Chaque ville, les grandes villes, les métropoles et les villes plus petites ont envie de changer. Il faut les gouvernements, mais aussi il faut les individus, tout être prêt à changer dans la façon qu'on vit, dans la façon qu'on de la mobilité au niveau local et aussi dans la façon de travailler. Alors, il n'y a pas la ville parfaite, mais il y a plusieurs expériments qui montrent qu'il y a une volonté. Et il faut vraiment accélérer la volonté et chacun de nous peut être une force importante pour ça. Merci Marina, je pense que le portrait robot de la ville durable, c'est une portrait dont les citoyens, c'est une ville dans laquelle les citoyens se saisissent de la ville et de la cité au sens le plus strict du terme, ça c'est essentiel, je pense qu'il faut quand même le rappeler, on a organisé ces rencontres du développement durable précisément pour que vous, les Françaises et les Français, puissiez vous faire une opinion. Donc commençons par ce, à défaut d'avoir nommé une ville parfaite, une ville où les citoyens sont pleinement acteurs de la cité. Et vous avez dit quelque chose qui me tient très à cœur, c'est les villes petites et grandes, et c'est pour ça qu'on avait organisé ce panel tout à l'heure sur comment est-ce que dans les métropoles où il y a une ville centre et des villes satellites, on arrive à faire en sorte que toutes les villes périphériques soient parfaitement incluses dans la décision. Olivier Dain-Belmont, je me tourne vers vous avec la même question. La ville durable de vos rêves, est-ce qu'elle existe aujourd'hui ? Ou en tout cas, est-ce qu'il y a un prototype qui commence à se dessiner ? Et si oui, où est-ce qu'elle se trouve ? Non, elle n'existe pas aujourd'hui. Ça rapproche du moins loin possible. Je veux juste faire une toute petite aparté. J'ai l'impression qu'on s'est un peu concentré sur la production d'énergie, notamment électrique, alors que le principal problème, c'est la consommation. Je encourage tout le monde à lire le rapport Négawatt, qui propose de diviser par 2 ou par 3, je ne sais plus, je crois, la consommation d'énergie en France, ce qui permet de passer en renouvelable à 100%, sans nucléaire. La ville, bah, il y a des écoquartiers qui sont très intéressants. Peut-être le plus avancé aujourd'hui, c'est peut-être le quartier Vauban de Fribourg en Brixeau, qui est très intéressant. Ensuite, il y a une multitude d'expériences. Bon, et alors, pour ceux qui sont curieux, on jettera un œil du côté de Fribourg. Attention, en Europe, il y a 2 Fribourg, un en Allemagne et un en Suisse. Et ça m'est arrivé de devoir aller jouer au théâtre à Fribourg dans l'une et d'aller dans l'autre. Alors, je ferai attention. Ondine, de votre côté, vous avez parlé d'Allemagne tout à l'heure. Alors, peut-être que ça sera Fribourg en Allemagne, mais votre ville durable à vous, elle se situe où, si elle existe ? Moi, je n'ai pas de ville durable à moi, mais il se trouve que j'ai vécu dans beaucoup de villes. Et il y a plusieurs expériences qui m'ont un peu frappée. Il y a la municipalité de San Francisco qui envisage de donner des poules à tout le monde parce qu'ils ont, mais c'est important, parce qu'ils ont fait tout un travail pour aller vers le zéro déchet.
Et tout ce qui restait, c'était encore du déchet organique. Et ils envisageaient, de, après avoir donné un petit compost, de donner des poules aux habitants. Ça, j'ai trouvé que c'était un joli clin d'œil. C'est en se baladant le dimanche à Hong Kong, dans une ville absolument, enfin, extrêmement dense, où il n'y a pas, pas un arbre, hein, voir toutes ces dames danser au milieu de la rue, au milieu des boulevards, qui sont sans voiture. Il n'y a pas de voiture le dimanche dans Hong Kong. Et de voir la population se réapproprier ces villes. C'est à Singapour, voir la nature sauvage, en fait, envahir des pôles ultra urbanisés et voir passer un animal qui traverse la rue d'un bâtiment qui fait des dizaines d'étages à un autre. Et donc, en fait, on se rend compte que si on commence à laisser ouvrir à entrouvrir la porte et à laisser aussi bien la nature et aux gens la possibilité de s'emparer de ces villes, il n'y a pas une seule ville et il n'y a pas une seule solution unique, mais en tout cas, la nature va très vite s'emparer regardez le petit brin d'herbe qui pousse au milieu du goudron de l'autoroute. Hein. Il pousse très vite, ce brin d'herbe, au milieu du goudron de l'autoroute. Et je n'ai pas peur du tout pour la nature. Elle va vraiment réenvahir la ville très rapidement. Bon, loin de la Corrèze de Chirac avec son manger des pommes, on a la Californie avec son donner des poules. Fabrice Bonifay, vous êtes un bâtisseur de ville, enfin, en tout cas l'entreprise à laquelle vous appartenez, on est en plein dedans. Vous avez bien une idée de là où ça commence l'exemple? En fait, ça fait 15 ans qu'on fait une cartographie des meilleures initiatives en matière de reconstruction de la ville sur la ville, parce qu'en fait, les villes, elles existent depuis des dizaines d'années. Enfin, il y a quelques villes nouvelles, une catastrophe, soyons en passant. Mais moi, je vais vous donner quelques références. Le quartier d'Hammarby à Stockholm, qui met en place vraiment une vraie économie circulaire pour que les bâtiments soient interdépendants les uns des autres. Aujourd'hui, on n'a pas du tout cette approche-là en France, où l'énergie de l'un, par exemple un data center qui produit de la chaleur fatale, peut être utilisée pour faire l'eau chaude sanitaire ou pour chauffer des bâtiments. On a une approche qui est très, très segmentée encore sur l'aménagement sur ce sujet. Il y a une ville à Fujisawa au Japon où il y a des pôles de véhicules décarbonés partagés. Et je pense que là aussi, ça permet de mutualiser des infrastructures. Aujourd'hui, l'essentiel de l'espace public dans les villes, en Europe, c'est les voitures. Donc ça, c'est aussi un non-sens total qui prend l'espace public, qui empêche en fait la cohabitation entre les transports lourds et puis les transports plus légers. Il y a B1 à Malmö est un quartier intéressant parce qu'effectivement, ils sont passés un peu au tout piétonné avec des systèmes de logistique urbaine assez astucieux pour alimenter les commerces de proximité à certaines heures, à certains endroits, pour éviter le trafic, un peu comme certaines stations de ski d'ailleurs en France qui ont procédé de la même manière. Et c'est assez malin en fait pour redonner la ville en fait aux piétons et permettre aux enfants de s'amuser sans être percutés par des véhicules à moteur. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de ville qui coche toutes les cases. Hein. Je suis assez d'accord avec ce que m'ont dit mes voisins. Par contre, il y a plein d'initiatives, y compris dans des villes en France, qui vont tout à fait dans le bon sens. Et ce qu'il faut, c'est prendre le meilleur des uns pour inspirer les autres et accélérer le déploiement de ces bonnes pratiques. Parce que, encore une fois, excusez-moi d'insister, mais par rapport à ce que nous donnent comme temps les scientifiques, hein, c'est qu'il faut, écouter les scientifiques. Hein. On a, au ministère de l'écologie, il y a quelques jours, la ministre de l'écologie a reçu Valérie Masson-Delmotte. C'était édifiant. Il nous reste à peine 10 ans. Au rythme actuel, 400 gigatonnes de CO2 à émettre pour rester sous les 1,5 degré. 400 gigatonnes, en 10 ans, la planète aura consommé ce budget restant. Mmh. Donc on a vraiment un problème avec les ordres de grandeur. Et c'est pas à nous de fixer, quand je dis nous, les humains, à fixer l'agenda politique de cette transformation. Ça n'a aucun sens. On doit écouter les scientifiques et on doit adapter les politiques publiques à ce que disent les scientifiques. Il en va de l'avenir de nos enfants. Alors, je résume parce qu'on a fait à défaut d'avoir la ville dans laquelle tout le monde pouvait aller googler et trouver la photo, on a un portrait pointilliste, une ville plus circulaire, plus économe en carbone, plus ramassée, plus citoyenne, plus sobre en général. Madame Vargon, je vais vous poser la même question, mais je voudrais ajouter une question un petit peu supplémentaire parce que parmi le panel, vous avez une responsabilité toute particulière, c'est celle de gouverner. On l'a vu, et vous l'avez dit vous-même, l'action pour faire des villes durables,
elle est très transversale. Elle nécessite autant d'aménagement du territoire que de politique énergétique, de cohésion sociale, etc., etc. Vous êtes ministre du logement, donc je ne vais pas vous demander de parler à la place de la ministre de la Ville. Mais comment est-ce qu'en interministériel, on arrive à vraiment travailler sur ce sujet qui est extrêmement complexe? Je sais qu'il y a un comité interministériel de la Ville qui a planché toute l'année 2020, qui a délivré début 2021. Est-ce que le volet climat et transition écologique, il est fort dans cet agenda, dans un contexte où, pour nous, politique de la ville, c'est inclusion sociale, précarité, exclusion de l'espace, alors qu'on le voit maintenant, il s'agit de se réinventer complètement dans notre aménagement du territoire, sachant que presque 80% des Français vivent en ville. Donc ces deux questions, votre ville à vous, puisque vous voyagez aussi beaucoup en France pour faire votre métier, et deuxièmement, comment est-ce qu'on interministérialise ce sujet pour qu'il soit à la hauteur du défi chronologique que Fabrice a rappelé à l'instant ? Sur ma ville à moi, je pense qu'il y a une dimension qui est essentielle que vous n'avez pas tellement citée, qui est la mixité sociale. Parce que pour moi, la ville durable, c'est une ville qui accueille toutes les personnes et toutes les classes sociales. Et en ce sens, pour moi, San Francisco, qui distribue des poules, c'est pas une ville durable. C'est peut-être très bien de distribuer des poules, mais quand San Francisco évince progressivement tous ceux qui ne sont pas des start-upers qui ont réussi et qui sont multimillionnaires, on a un problème de définition de la durabilité. Vous l'avez cité comme un exemple d'une action positive, hein, donc je caricature pas le propos, mais en tout cas, juste pour ping-ponger, pour moi, c'est la durabilité, c'est aussi beaucoup la capacité à accueillir tout le monde. Et je suis assez sensible à la dimension citoyenne, au sens construction vraiment avec les habitants. Donc je vais vous donner peut-être deux exemples. Le premier, c'est une petite ville dans le nord de la France qui s'appelle Los Angeles. Donc c'est pas Los Angeles, hein, c'est Los Angeles, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus petit, c'est une ville du bassin minier. Et je pense que c'est l'une des villes qui est allée le plus loin dans la réinvention de systèmes, où elle a regardé le bâti, la manière de vivre, l'énergie et le projet. Et elle a vraiment, son maire s'appelle Jean-François Caron, qui est vraiment un type bien, a vraiment essayé d'aller au bout de cette démarche de réinvention d'une ville en plus qui part avec des difficultés, des activités économiques qui ont fermé et une réinvention à faire. Et puis, vous avez parlé d'éco-quartiers. Il y a beaucoup d'éco-quartiers intéressants en France. On peut parler de Strasbourg, on peut parler d'autres. Je voudrais citer le village olympique de Saint-Denis et de Saint-Ouen, parce que je pense que là, il y a quelque chose d'intéressant dans la réinvention et la reconstruction de la ville sur la ville, au sens où on construit un quartier d'abord pour un objectif, qui est un objectif de très très court terme, qui est de loger les athlètes pour les JO en 2024. Et on se repose à cette occasion la question à la fois de la construction du tissu urbain, de son insertion. Donc je trouve que c'est dans le propos, c'est intéressant parce qu'on construit pour deux objectifs. Et ça nous amène aussi à réfléchir à la manière dont les bâtiments vont changer. Et c'est aussi un concept qu'on n'a pas eu le temps d'utiliser, c'est la déspécialisation des bâtiments. C'est-à-dire demain, quand on va construire ou réhabiliter, il faut arrêter de penser que parce qu'on a fait un immeuble de logement, ça va être des logements éternellement ou des logements comme si, des petits, peut-être qui devront devenir grands ou l'inverse, etc. Donc la mutabilité est importante. Et après, la question fondamentale, moi je partage l'inquiétude vis-à-vis du constat scientifique. C'est-à-dire toute personne qui est exposée à ce constat, à Valérie Masson-Delmotte et aux autres, forcément se dit, mais on a un défi collectif qui est gigantesque, est-ce qu'on va être à la hauteur de ce défi ? La seule chose que je sais, c'est que si on essaye de brusquer trop, en fait on va reculer. Et donc il faut aller le plus vite possible avec une acceptabilité qui est forte, parce que, enfin, on l'a vécu sur la crise des Gilets jaunes. Je rappelle qu'elle est partie de la taxe carbone, qui est quand même une très bonne intention à la base et qui juste a été faite dans des conditions qui n'ont pas permis de la mettre en place. Donc la réponse à la question, oui, c'est interministériel. C'est porté par le ministère de la Transition écologique, qui porte aujourd'hui à la fois la transition écologique, l'énergie, les transports et le logement. Et c'est bien, parce que ces sujets-là ont un rapport les uns avec les autres. Mais il faut aller au-delà dans l'interministériel. C'était l'idée de faire des feuilles de route par ministère sur la transition écologique, qui avait été proposée d'ailleurs par le Haut Conseil pour le climat et qu'on est en train de reprendre. Forcer, ou amener, selon la manière dont on le présente, chacun des ministères à dire « voilà quelle est ma contribution à la transition écologique ». C'est vrai du ministère de la Ville sur l'animation des quartiers. C'est vrai évidemment du ministère de l'Agriculture. On n'en a pas parlé parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est un quart de nos émissions de gaz à effet de serre et la transformation agricole, elle est encore très largement devant nous. C'est vrai de l'éducation nationale, parce que ça commence à l'école. Enfin, en gros, c'est vrai de tout le monde.
Et ça, ce mécanisme de feuille de route, plus le Conseil de défense écologique qui se réunit autour du président de la République et qui prend un certain nombre de décisions, ce sont des mécanismes d'animation interministérielle qui, je pense, sont assez robustes. Parce que l'écologie, ce n'est pas le problème du ministère de l'écologie, ni du ministère du logement, ni du ministère des transports seulement. C'est vraiment le problème de tout le gouvernement. Et ça le matérialise. Merci, Madame Vargon, pour cette réponse. Je pense qu'on va s'arrêter sur ce point. Je résume très brièvement une ville. Alors, je le remets dans l'autre ordre. Plus mixte, plus citoyenne, c'est ce que Marina Ponti disait, plus ramassée sur elle-même, plus dense, avec cette notion de densité désirable qui était assez poétique. Plus économe, plus sobre en carbone, avec évidemment ce sujet en toile de fond de pouvoir repenser notre mix énergétique, et plus circulaire. On aura 1000 bonnes occasions, ou plutôt 80 bonnes occasions, de traiter tous ces sujets pendant les prochaines rencontres du développement durable, les prochaines journées des rencontres du développement durable. Madame Vargon disait à l'instant que le sujet de l'acceptabilité était évidemment essentiel, parce qu'on ne peut pas forcer les gens en leur bourrant le chèque énergie dans leur compte en banque. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans une économie encore libre. Mais demain, précisément, nous traiterons dans notre journée co-organisée avec Burgundy School of Business, qui aurait dû se tenir à Dijon, dans une ville qui se réinvente beaucoup, de ce sujet de l'acceptabilité, avec le thème « Faire bouger les lignes ». Comment est-ce que l'on peut, puisqu'on sait le constat, Fabrice Bonifay l'a rappelé, puisqu'on a une vision, en tout cas une esquisse de ce que peut être une ville plus durable et en tout cas une transition plus réussie, puisqu'on a des solutions technologiques, comment est-ce qu'on peut activer l'ensemble de la société civile, les citoyens, les consommateurs, leurs élus, leurs entreprises, pour parvenir à cette transition? C'est le thème de demain. Je vous propose donc de vous retrouver demain, même heure, même endroit, depuis la Maison de l'Europe de Paris, qui nous accueille dans cette expérience absolument incroyable des rencontres du développement durable, labellisée à la fois La France en transition et Conférence sur l'avenir de l'Europe. Je rappelle que cette conférence, c'est pour vous, pour qu'au-delà des questions que vous pouvez poser à nos panélistes, vous puissiez partager vos idées, vos réflexions pour nourrir l'avenir de l'Union européenne. Ce n'est pas anodin, puisque l'Union européenne, c'est le Green Deal, c'est le plan de relance Next Generation EU, c'est également aussi le nouveau paquet législatif Fit for 55. Énormément de choses se jouent à Bruxelles pour réussir cette transition écologique. Donc saisissez-vous de cette possibilité de participer à la conférence sur l'avenir de l'Europe à laquelle nous contribuons. À demain, bonne soirée.